Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. D'être repentie. Ma petite Odette. Je t'aime, Ajay. C'est incroyable, ce Gilbert. T'oublie pas, c'est Gilbert qui vient le chercher. Gilbert. Merci d'avoir ramené ma petite. T'en prie. C'est Gilbert. Il part à la montagne, il propose d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Vos parents ont jamais eu de doute. Ben non, se méfie pas de ses proches, docteur, leur fait confiance. Moi, je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse. Comment tu t'appelles, toi? Odette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde. Manu, c'est mon meilleur ami. Mais c'est quoi ton délire avec la psy? Il est déjà 18h05. Ok, il y a un obèse qui s'impatiente? Il y a pas de petite douleur, Odette. Je déconne. Puis, face à l'amour, vous vous figez. Trop gentil, en fait. Il y en a pas deux comme moi. Je devrais en profiter. J'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme. Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses. Non, non, c'est un conte de fées, ça. Il est salvateur de parler de ce qui vous est arrivé. Vous croyez que je vais aller détruire la vie de mes parents alors que Miguel, c'est le meilleur ami de la famille? Ok, quand t'étais petite, tu t'es prise une queue là, mais regarde, ça t'a mis la rage, c'est qu'un souvenir. Pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Comment ils vont réagir, les gens? Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, que ça sorte. Tu sais, moi, ma vie, elle est derrière moi, maintenant. Mais toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant.